Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter la coupe PlayStation sur Fortnite. Donc c'est uniquement pour les joueurs PlayStation. Et franchement, ça c'est vraiment cool parce que les joueurs clavier souris sont beaucoup plus avantagés que les joueurs console. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à aller dans l'onglet compétition sur Fortnite. Donc prochainement, à mon avis, il va y avoir un onglet pour justement la coupe PlayStation. Alors cette coupe commencera le 2 octobre et vous devrez vous qualifier parmi les 100 meilleurs joueurs de chaque région, donc de 100 meilleurs joueurs de France, 100 meilleurs joueurs de Belgique. Et ensuite, quand vous serez qualifié, ben, vous pourrez participer à la coupe et peut-être gagner blindé de thunes. Blindé de thunes parce que regardez, le premier gagne 1 200 $. Alors, il faut savoir que c'est une coupe en solo. Donc voilà, donc la première place c'est 1 200, deuxième 1 100, ensuite 1 800, 725, etc., etc. Donc les 10 à 25 meilleurs joueurs, ils gagnent quand même 400 $. Les 26 à 50 meilleurs joueurs, 300 $. Et les 51 à 64 meilleurs joueurs de la finale de la coupe, eh ben, ils gagnent 200 $. Alors ça, je pense que c'est pour la première coupe hein, qui se passera en octobre. Parce qu'en fait, il y a un total de 113 400 dollars mis en jeu en octobre et 113 400 autres dollars mis en jeu en novembre. Donc je pense qu'il y aura deux coupes PlayStation uniquement pour les joueurs PlayStation, PS4 et PS5. Ce qui se débutera le 2 octobre. Donc voilà, gardez un œil dans l'onglet compétition de Fortnite pour en savoir plus. Bien entendu, je vous partagerai le lien officiel de l'article en commentaire et en description, en commentaire épinglé et en description. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse et que vous voulez plus d'informations. Et là, vous pouvez voir les points que vous pouvez gagner par top, par victoire, etc. Et chaque élimination vous rapportera un point. Donc voilà, pour les joueurs qui sont super forts à la manette et sur PlayStation, moi je vous conseille fortement d'y participer. Moi je pense que j'essayerai peut-être, pourquoi pas. Après ça dépend parce que je suis pas très fort. Mais franchement, ça me tente très bien de tester et voir un peu combien je finirai. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace. Yummy, bruh.